Fabien Bellman, merci d'avoir accepté l'invitation de PJTV, Merci à vous. une petite initiative de confinement où nous nous amusons avec des personnes qui se trouvent chez elles nécessairement à évoquer qui ils sont ou qui elles sont et l'actualité, parce que nous avons un thème qui s'impose, bien entendu, c'est que nous vivons une période absolument extraordinaire. Alors, pour commencer peut-être, quelques mots d'abord sur vous ou sur toi. J'avais dit qu'on allait dire tu comme on fait d'habitude, mais les mauvaises habitudes du nouveau Bernard Pivot ont repris le dessus. Alors, je recommence, on va garder ça parce que voilà, il n'y a pas de raison de l'enlever. Je rappelle que tu es scénariste de BD. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je dirais que tu es le Jean-Michel Charlier des temps modernes. Mais évidemment, quelqu'un qui ne connaît pas Fabien Veulman ne connaît peut-être pas non plus Jean-Michel Charlier. En tout cas, voilà, tu es l'auteur de. Tu fais les scénarios de bande dessinée dont on va parler. On va discuter en particulier de trois planches d'albums auxquels tu as collaboré avec des dessinateurs dont tu nous diras un mot également. Mais première question. Cette époque que nous traversons, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Les gens au départ n'ont pas tout à fait compris, ont pensé que c'était le normal, un tout petit peu différent. Et puis petit à petit, les choses ont commencé à s'imposer. On a parlé tout de suite de l'après-Covid, et puis maintenant on hésite un peu plus à parler de l'après-Covid parce qu'on ne sait pas trop quand ça va venir exactement. Alors, pour commencer, qu'est-ce que tu en penses? La vaste question. Je suis dans une espèce de chaos de pensée parce que c'est à la fois quelque chose, une situation à laquelle on pouvait s'attendre dans le fond, à savoir, puisque je m'inscris dans ce mouvement qu'on appelle celui des collapsos, avec pas mal d'amis nantais, à savoir qu'on était tous en train de se dire que quelque chose risquait à un moment ou un autre d'enrayer. La belle mécanique libérale du monde actuel. Par contre, la forme était complètement inattendue. Je veux dire, qu'on puisse envisager une pandémie, ça bien sûr. Je l'avais même fait quelques mois avant avec des fiches de survie que j'écris pour un manuel, une sorte de manuel des Castors Junior inspiré de la série Seul, qui est une de mes séries. Et une de ces fiches qui est sortie genre une semaine avant le confinement était sur les épidémies. Donc c'est bien qu'on sait que statistiquement des grandes épidémies sont à prévoir, la preuve. Pour autant, ce qui est intéressant dans cette crise qu'on est en train de traverser, c'est que sa forme est complètement inédite. Et moi, ce qui m'interpelle là-dedans en tant qu'auteur de fiction et amateur de science-fiction, c'est qu'en fait, jamais, de mémoire en tout cas, jamais je n'ai vu une représentation de cette situation mondiale de confinement dans aucun livre de fiction que ce soit. Ce qui interpelle vraiment le créatif que je suis, c'est-à-dire qu'aucun être humain sur la planète n'ait été capable d'envisager ce qui a été finalement la forme ultime de cette nouvelle pandémie, à l'heure d'Internet, à l'heure de la mondialisation, montre bien aussi la limite que peut avoir l'imaginaire. Pour autant, je ne renvoie pas complètement à la phrase « la réalité qui dépasse la fiction et qui est toujours meilleure », c'est juste différent. La réalité est toujours différente de ce qu'on imagine, beaucoup plus riche en complexité, ça c'est sûr. Et pour la suite, c'est sa puissance 1000, parce qu'on est maintenant dans un effet, éventuellement, effet papillon pour certains, effet domino, enfin qu'importe, mais il va y avoir, on va en parler, hein, j'imagine, parce que c'est un sujet qui est cher, énormément de répercussions qui sont elles-mêmes difficiles à prévoir sur leur forme. Ils vont, en fait, ça me rappelle un. Je fais un aparté, mais dans une époque lointaine, j'ai fait une prépa HEC. J'étais du côté obscur de la force, mais c'est pas toi qui va me juger. Et dans la prépa où j'étais, il y avait des maths sup, maths spé. Je me rappelle d'un des exercices qu'avait fait un oral qu'avait passé un de mes potes de maths sup. Son prof l'avait mis devant un tableau, lui avait fait dessiner des ressorts accrochés les uns aux autres en forme d'hexagone. Et avait, voilà, tu tires de chaque côté de cet hexagone, tu lâches. Maintenant, décris-moi le mouvement de cet hexagone de ressort. Et c'était d'une complexité affolante. Et je pense que le monde est encore plus compliqué que celui-là. Donc, d'où le chaos que j'évoquais au début. Il y avait probablement un attracteur étrange là dans le. C'est probablement une dynamique de chaos. Ouais.
Oui, bonne question. En fait, Vincent Burnand-Galpin, qui est à la technique ici, pendant que nous faisons la petite émission, nous avions été invités tous les deux à une réunion de collapsologues à Paris. Ça, c'était juste avant le confinement, c'était la fin février, et c'était au titre de sympathisant. Voilà, Pablo Servigne avait eu l'amabilité de, bien qu'il sait que je ne m'appelle pas ou ne me reconnaît pas dans le mouvement, de m'inviter et d'inviter Vincent, et on a participé aux 2 jours de discussion. Mais je sais pas si tu as vu ça, mais au tout début du confinement, Pablo a été invité par Le Monde à faire une déclaration, en quelque sorte. Voilà, c'est une interview. Et là, il a dit qu'il ne savait pas trop quoi dire, qu'il hésitait beaucoup. Et en fait, bon, l'interview n'a pas produit ce que le journaliste du Monde attendait sans doute, qu'il connecte d'une manière ou d'une autre les événements avec ce qu'il annonce depuis un certain temps, et en particulier dans ce livre qu'il avait fait avec Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. Et je m'aperçois aussi, parmi les autres collapsologues, il y a un très grand mutisme en ce moment. Alors que moi, personnellement, qui ne le suis pas, je n'hésiterai quand même pas à dire, c'est peut-être, dans ce qu'on voit maintenant, un des éléments de l'effondrement. Est-ce que c'est un élément? Est-ce que tu crois qu'on est... Je vais te poser la question autrement. On nous dit, quand ce sera terminé, l'histoire du Covid, on aura beaucoup de mal, nous tous, à dire, voilà, il faut revenir sur l'environnement et puis prendre ça au sérieux. On va devoir pousser les gens à faire la connexion entre le Covid-19 et l'alerte, l'alarme sur l'environnement. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la transition va se faire d'elle-même. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là aussi, c'est hyper compliqué. Pour revenir sur ce que tu disais de Pablo Servigne, c'est vrai qu'il est un peu présenté comme le pape de la collapsologie, ce dont il se défend, hein, de ce que je connais du personnage. Bon, il est, j'allais dire, il présente bien, c'est un bon client, comme on dit dans les médias, donc pourquoi pas. Il parle très bien, de toute façon, de ce mouvement. Je pense que le mutisme peut s'expliquer par une forme de pudeur. Je trouve jamais très malin d'avoir une position qui consiste à dire, vous voyez, j'avais raison. Alors même que de toute façon, cette forme-là était inattendue. Là encore, je connais personne, y compris chez les collapsos, qui aurait imaginé ce qui est en train de se passer exactement. Après, par contre, et là aussi, ce qui peut expliquer une forme de mutisme, de ma part y compris, hein, c'est qu'on est au début de quelque chose d'entièrement neuf. C'est même tellement évident que je ne compte pas le nombre d'analyses et d'analystes qui disent on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on essaie de comparer plus ou moins à la crise de 29, mais ce n'est pas la crise de 29. On peut comparer ça à l'effondrement d'un pays, mais un pays isolé, ce n'est pas du tout la même chose que des pays globalement connectés les uns aux autres. Donc la situation, elle est unique. Donc je pense qu'il y a une espèce de... On retient un peu notre souffle en disant à la fois, on s'attendait bien à ce que quelque chose arrive, mais de là à s'en glorifier, surtout pas, parce que des gens comme Servigne disaient, attention, des choses difficiles risquent d'arriver, mais ne les appelez pas de ses voeux. Que parfois on trouve, hein, je le cache pas, dans certains mouvements, on sent une espèce d'attente un peu morbide d'une forme de fin du monde. C'est quelque chose dont je pourrais peut-être parler dans Seul. Une partie du succès de la série Seul, c'est quand même qu'il y a une appétence du public pour les récits de fin du monde. Et je m'inscris là-dedans. Il y a une espèce de jubilation morbide à se dire, et si on recommençait à zéro, avec un biais mental qui est de croire qu'on serait parmi les survivants. On a fait cette catastrophe de nos voeux inconscients, plus ou moins inconscients. On connaît tous des gens pour qui il y a une façon de dire non seulement j'avais raison, mais bien fait pour vos gueules, une espèce de comme ça Bien sûr, de côté, quelqu'un doit payer quelque part, parce qu'il y a un malaise, ça c'est clair qu'il y a un malaise, et là-dessus je pense que ce malaise il va être encore plus palpable après le confinement, dans les phases de déconfinement successives qu'on va sans doute rencontrer. Donc oui, il y a une espèce de tension, il y a comme un orage. Voilà, il y a un peu une envie que quelque chose se passe, bouge. Des fois, c'est une envie pressante, des fois, c'est avec la peur que ça arrive. C'est souvent un mélange des deux. Mais là où moi, en tout cas, à titre personnel, je me méfierais énormément de toute prédiction, c'est que ces prédictions seront amenées à être battues en brèche dans les semaines qui vont venir ou les mois qui vont venir. On peut s'en tenir à des grands principes que tu connais très bien.
dont certains justement me sont devenus familiers grâce à toi, qui sont de dire, ben voilà, si on touche à ça, il risque fort de se passer ça, mais dans quel ordre, comment? Par exemple, moi je suis assez fasciné et effrayé par la crise pétrolière qui, à mon avis, aura un impact encore plus important, surtout si ça se prolonge. Bon, on pouvait imaginer qu'il y aurait comment dire, un effet du Covid sur le marché du pétrole, qu'on en arrive à des prix négatifs. C'est quelque chose que mon esprit n'arrive pas encore à complètement intégrer. Et quand on pousse cette logique-là, du côté de pays comme le Venezuela, l'Irak, mais je pense surtout à l'Algérie, parce que c'est un pays qui m'éclaire et justement dont on parle avec ma petite équipe là, dans le dernier atlas, extrêmement, extrêmement inquiet de ce que risque de traverser l'Algérie, qui est ultra dépendante des revenus du pétrole. Et si on imagine qu'un pays comme l'Algérie ou l'Irak ou le Venezuela, etc., s'effondre vraiment complètement, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur les choses autour. Donc, on en revient un peu à cet exercice de maths sup dont je parlais. C'est comment, et encore avec ces cinq ressorts là ou six ressorts qui bougeaient ensemble, bon, c'est modélisable. Là, on parle de quelque chose où c'est vraiment la complexité du monde. Donc, on touche quelque chose qui va toucher quelque chose, il y aura des échos qui vont ensuite s'interconnecter à nouveau. Ce que je rajouterais simplement, c'est que par contre, ce que j'ai entendu parfois, de manière là encore sous-jacente dans le propos de certains amis collapso, pris un peu chez moi, c'est qu'on avait une espèce d'anxiété latente depuis des années de ce qui allait se passer, et que quelque part, là où il y avait une forme de soulagement, qui n'était pas une jubilation, hein, soulagement, c'était de se dire, OK, maintenant on sait à quoi on va commencer à avoir affaire. Ça commence comme ça. Alors, je suis obligé aussi de faire un tout petit aparté sur cette notion de commencer. Je parle forcément d'un effondrement dans le sens la fin du monde. Donc, je vais mettre un bémol. C'est un des effondrements. Parce qu'en réalité, si on va en Afrique depuis des années, il y a des pays dans lesquels l'effondrement est là. Il y a des endroits, c'est l'apocalypse. Il y a des gens qui vivent des choses monstrueuses dont on ne se rend pas compte quand on est éloigné et qu'on n'est pas forcément au courant de ce qu'il y a là-bas. Mais qu'on entretient inconsciemment en achetant le dernier smartphone machin pour lequel on a besoin de minéraux rares qu'on achète qu'au Kivu ou des choses comme ça. Donc, je suis pas en train de parler d'une grande fin du monde, mais peut-être du premier des grands effondrements globaux. Et on se dit, tiens, donc finalement, c'était peut-être ça la forme de ce truc qu'on attendait, cette espèce d'orage qu'on pressentait. Mais je le redis, c'est pas une jubilation. Je suis pas du tout en train de me dire, ouais, super, je me dis, bon, ok. Il y a un flou en moins. Et par contre, il y a 10 000 autres flous qui sont en train d'apparaître, mais qui seront quand même liés à cette première grande crise qui est celle du Covid, qui peut-être pour la première fois est vraiment totalement mondiale. Bien, une petite remarque, je ne suis pas sûr que le problème aussi ressort soit modélisable. J'ai l'impression qu'il y a des questions de paradoxe du boulanger là, et de coefficient de Lyapunov. Mais enfin bon, on ne va pas discuter de ça. Tu as évoqué ce livre, alors je vais me montrer là la couverture, voilà, j'espère qu'on la voit bien, le dernier atlas. Et c'est un livre en particulier où il y a une réflexion, je dirais, profonde sur l'Algérie contemporaine et sur l'Algérie de la guerre d'indépendance, et même peut-être même encore d'avant. Il y a même des choses qui se passent là-bas. C'est en même temps un livre de, voilà, on appelle ça une uchronie parce qu'il y a plein d'éléments. On pourrait dire qu'il y a de la science-fiction. Il y a peut-être même un peu de fantastique. Il y a un polar qui me rappelle un peu Manchette dans le style. Il y a beaucoup de choses en même temps. J'ai eu la chance de lire en avant-première le second tome dont tu nous diras quand il sort. C'est un monument, c'est un gros truc. Alors, voilà, je ne sais pas si les gens le voient, mais il y a beaucoup de pages. C'est très très intéressant. Le deuxième volume éclaire bien davantage des choses, je dirais, qu'on a vu se dessiner déjà dans le premier. Et vous avez déjà eu un prix, je crois, hein, pour ce livre récemment. C'est quoi le prix que vous avez eu? Le prix Goscinny avec mon co-scénariste Gwen de Bonneval, donc on était hyper 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 contents, et on en a profité pour faire un petit événement autour du statut des auteurs et autrices, dont on reparlera peut-être si on a le temps, mais qui sont malheureusement dans une précarité qui ne va pas s'arranger avec la crise du Covid. C'est sûr, Vincent et moi, nous avons aussi un livre qui est sorti le 18 mars, c'est-à-dire en fait virtuellement sorti le 18 mars. Alors oui, donc dans cet ouvrage, il y a en particulier
planche qu'on va regarder. C'est une planche où il y a le super méchant, voilà, vraiment le gangster qui est vraiment une crapule absolue, qui dit quelque chose sur les situations de crise. Alors, si on pouvait voir la planche, on verrait sans doute la case inférieure. Sinon, on va enchaîner si c'est pas possible. C'est bon du côté de la technique? Alors, on la voit, je ne sais pas si on le voit. On la voit, très bien. Alors, dis-nous, Fabien, de ce qu'il dit Monsieur Le Goff, et on va comprendre tout de suite pourquoi ça parle des événements récents. En fait, il faut que je mette un peu dans le contexte cette séquence. Donc, Le Goff, effectivement, est une espèce de super caïd dans tout ce qu'il peut avoir de flippant. C'est-à-dire, c'est vraiment un psychopathe. Et il s'adresse à Ismaël Taïeb, qui est le protagoniste de cette série, qui lui est beaucoup plus ambigu dans le sens où c'est le lieutenant d'un mafieux nantais, mais on le sent pas forcément complètement passionné par son travail. On sent finalement qu'il a fini par rentrer dans ce gang plutôt par une succession de circonstances qui l'ont amené à, mais que dans notre récit, son rêve d'enfant, c'était d'appartenir à l'équipage d'un Atlas, et ces Atlas, c'est là que l'Uchronie entre en jeu, sont des robots géants. Créés sous De Gaulle, fonctionnant au nucléaire et qui ont eu leur grande heure de gloire dans les années 60-70, avant d'être finalement interdits suite à un accident à Batna, donc en Algérie, pendant les événements. Je parle là avec la terminologie française de l'époque, hein, les événements, mais comme tu disais, la guerre d'indépendance, en précisant que dans cette Uchronie, donc je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, mais c'est donc une histoire possible, parallèle, mais avec des événements qui se seraient passés différemment. L'Uchronie la plus célèbre, c'est « Et si Hitler avait gagné la guerre? » Et puis on essaie de continuer. C'est un exercice intellectuel, en fait. Et Philippe Cadic et la elle avait le maître de épidémie Château. partagée entre l'Allemagne et le Japon. Exactement, c'est un des très très bons romans de Kadic. Ici, avec Gwen de Bonneval, avec qui j'ai coécrit ce bouquin, on a imaginé que suite à la création de ces robots géants, et par plein de petits effets, justement, effets papillons, la guerre d'Algérie a été décalée d'une quinzaine d'années. Donc on est dans une France alternative, une France d'Uchronie, une Algérie d'Uchronie, qui nous ont permis, avec Gwen, de pouvoir à la fois parler de l'histoire et à la fois de faire un pas de côté pour éviter de fâcher des gens ou de blesser des gens plutôt. Je le sais d'expérience, y compris dans ma famille, dès qu'on parle de la guerre d'Algérie, ça peut vraiment flinguer une soirée familiale, chacun ayant un avis définitif sur les colonies. Ici, on voulait pouvoir aborder ça d'une manière un tout petit peu plus légère, et l'Uchronie le permet. Par contre, le ton n'est pas léger, c'est-à-dire que autant le présupposé est un présupposé de science-fiction, s'en rappelle à chaque image, puisqu'on voit assez souvent ces robots géants qui n'existent pas. Mais par contre, le propos avec Gwen est vraiment de proposer, et après je parlerai aussi du reste de l'équipe, hein, bien sûr, Hervé Tancrel, Fred Blanchard et Laurence Croix. Notre idée, c'était quand même de parler du monde tel qu'il est, et justement dans sa complexité. Un des biais qu'on a trouvé pour parler de ça, c'était de choisir un personnage qui soit en lien avec la mafia. Et il y avait deux raisons à ça. Il y en a une qui était un peu cosmétique, mais c'est que c'est toujours mieux d'avoir un récit avec des mafieux, des gangsters, des flingues et des gunfights, comme on dit. J'ai adoré, avec Gwen, on l'a adoré, la série Les Sopranos, par exemple, qui est géniale. Mais bon, ça, c'est pratique. Ça permet d'avoir un anti-héros, de rentrer dans le récit d'une manière qui est moins, allez, chevalier blanc, que dans la plupart des récits avec des robots géants. Mais il y avait une autre raison qui apparaît un peu ici, c'est qu'on s'est dit avec Gwen qu'il était difficile de parler du monde actuel et de l'économie, pour parler de cette partie de l'économie, qui est la partie cachée et la partie mafieuse, qui en fait est profondément liée au système même bancaire officiel. Je pense par exemple à cet énorme procès, ça doit être HSBC, c'est cette banque-là, c'est HSBC qui a été attaquée aux États-Unis. Pour du blanchissement d'argent, c'est à eux que tu penses? Oui, c'est ça, en particulier avec les cartels mexicains, mais pas que, et qui s'en est tiré avec une grosse amende, mais ça n'a pas remis en question la banque elle-même, avec, si j'en ai bien compris,
les grands principes, avec le principe du trop gros pour tomber. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tomber une banque pareille, on ne peut pas vraiment lui faire payer le prix qu'elle devrait faire payer parce qu'on a besoin de cette banque. Oui. Dans ce cas-là, il y a un autre argument, hein, on peut le mentionner puisqu'on est là. C'est l'argument qui joue aux États-Unis, qui est que si on arrête ou si on inculpe des dirigeants d'une grande entreprise, une banque ou d'une grande entreprise, ça va faire baisser la valeur actionnariale et donc ce sont essentiellement les porteurs d'actions, les actionnaires qui seront atteints. Ça a toujours été le gros argument depuis, disons, le tournant des années 2000. C'est pour ça qu'on inculpe personne, de peur d'attaquer indirectement, de léser l'actionnaire. C'est ça. Et du coup, ici, on avait donc une sorte de double effet intéressant à parler de gangsters. C'était ce côté narratif qui fait qu'il y a plus d'action, il y a plus de tension. C'est un thriller. D'ailleurs, le premier album commence vraiment comme un thriller. Et d'essayer d'évoquer la manière dont ces réseaux mafieux s'adaptent constamment avec une rapidité qui force le respect à certains égards d'un point de vue intellectuel. C'est fascinant. Ils trouvent toujours, et on le voit actuellement en direct avec le Covid, ils trouvent constamment des manières de faire de l'argent et d'une autre manière, et de profiter des failles d'un système qui, lui, par définition, va être plus lent à réagir parce qu'il est encadré, parce que justement, il y a des comptes à rendre, là où la mafia, bien entendu, n'en a à peu près rien à foutre. Donc, du coup, le Goff, qu'on présente comme un caïd français qui s'est enfui en Algérie pour échapper à la justice, mais qui continue à agir, quasiment au vu et su de tout le monde. Le Goff incarne ça. C'est à la fois, il est vraiment dangereux, c'est un psychopathe, mais à la fois, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, et qui, dans le cas présent, c'est pas le Covid dans le dernier Atlas, mais c'est une menace extraterrestre, ou supposément extraterrestre, qui apparaît dans le parc du Tassili, en Algérie, qui se dit, bon, bah, cette chose qui vient d'apparaître, qu'on va appeler l'UMO, le Unknown Moving Object, parce que c'est une espèce d'énorme masse qui avance doucement, comme ça, dans le désert, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et là où c'était intéressant pour Gwen et moi, c'était d'essayer de réfléchir à... En fait, on est parti de ce qu'on voulait éviter. Et ce qu'on voulait éviter, c'est ces films avec des robots géants. On a l'impression que l'univers qui est présenté est un univers de carton-pâte, qui est une insulte à l'intelligence des lecteurs ou des spectateurs. Et que si vraiment, par exemple, il y avait une invasion extraterrestre sur la planète, ou s'il y avait vraiment une catastrophe de l'ordre de cet humo qu'on évoque, les choses ne se passeraient pas de manière aussi simple que dans, par exemple, Independence Day. Il y aurait énormément, justement, des effets secondaires, des effets rebonds. Si on évoque, par exemple, le fait que la simple apparition de cette menace en Algérie va perturber les cours du pétrole, puisque sa présence va affecter l'exploitation du pétrole dans le sud algérien, ne serait-ce que d'évoquer ces choses-là, et que donc ça a un impact sur la France en termes de prix de l'essence à la pompe, on ne pense pas à tout, bien sûr, avec Gwen, et c'est impossible, mais on veut montrer au lecteur qu'on a pensé à certains de ces effets collatéraux, et c'est un des intérêts du projet, c'est d'arriver à la fois à ce que ce soit le plus haletant possible, que ce soit ce qu'on appelle un page-turner, donc quelque chose qui donne envie d'être lu, et en même temps d'essayer de s'adresser à l'intelligence des lecteurs et lectrices en disant, ben, regardez, on essaie de présenter un monde qui ressemble quand même sensiblement à ce que serait le monde en cas de catastrophe. Et là où on a un écho très déstabilisant avec Gwen actuellement, c'est en voyant qu'il y a des choses qui sont actuellement très en raccord avec l'esprit de ce qu'on écrit, sous une forme bien entendu complètement différente, parce que nous là, on n'est pas confronté à une menace extraterrestre, mais à un bon vieux virus des familles. Et donc le Goff était la courroie de transmission pour essayer d'aborder ces sujets qui sont ce lien intrinsèque entre la partie voyante de l'iceberg et la partie cachée de l'économie. Ce qu'on peut ajouter, pour ceux qui n'ont pas vu l'album, c'est le fait que ces robots, en fait, étaient utilisés essentiellement dans la construction et la construction de HLM en particulier, et qu'on l'utilise cette fois-ci, on se dit qu'on va l'utiliser pour lutter contre cette menace extérieure, qui semble être une créature ou une machine de taille un peu équivalente à celui du robot. Oui, oui, parce qu'avec, là encore, le but de notre petite équipe, là, je précise qu'on est donc 5, ce qui est assez rare en bande dessinée, hein, mais le projet était assez ambitieux, il l'a encore, et tu l'as montré, c'est des gros albums, hein, ça fait 200 pages chacun, il y aura 3 albums.
Donc les deux, il y a un dessinateur, Hervé Tancrel, qui fait le plus gros des pages, et Fred Blanchard qui est le second au design et pour le storyboard, et Laurence Croix qui fait les couleurs. Voilà, là encore, on avait envie de proposer quelque chose qui soit le plus fleuve possible, comme un univers, un roman-univers. C'est pour ça qu'on avait besoin de cette pagination. Et on voulait quand même que ce soit le plus facile d'accès pour les lecteurs, que ce soit ambitieux dans le fond, mais le plus facile d'accès sur la forme, quand tu évoques le fait que oui, il y a quand même une menace extraterrestre, il y a quand même un robot géant face à cette menace géante. Donc on est très proche du récit de genre, hein, c'est-à-dire pas loin de Godzilla ou de Pacific Rim ou ce genre d'énormes blockbusters, dans lequel on essaierait juste d'injecter un peu plus de complexité. Sans dire qu'on est les plus malins du monde avec. Avec Gwen, ce que j'arrête pas de dire, on s'adresse à l'intelligence du lecteur, on est sociable. Mais voilà ce qu'on tente. On tente de montrer ce qu'on est en train de toucher du doigt actuellement avec la crise du Covid, à savoir que tout est entremêlé et que si quelque chose se passe en Algérie, ça concerne la Chine, ça concerne bien entendu la France, ça concerne les États-Unis. Et donc le récit va aller dans cette direction, mais je n'en dis pas trop, à part la sortie possible du tome 2, parce que tu le disais, ça, bien entendu, comme tous les gens qui devaient sortir des livres en ce moment, on a été impacté. Aux dernières nouvelles, on voudrait jouer la carte de la confiance vis-à-vis des libraires et de leur donner du grain à moudre et des choses à vendre dès juin. Donc on va tenter de faire en sorte que le tome 2 sorte début juin. Et donc, il s'agit du moment où ce fameux dernier atlas, le George Sand, puisque c'est comme ça qu'il a été baptisé, comme tous les atlas de l'époque étaient baptisés de noms d'écrivains français, le George Sand va se retrouver confronté à l'humour dans une espèce de face-à-face un peu titanesque. Alors, deuxième chapitre, en fait, tu fais partie des gens qui ont repris une grande série qui existait déjà. Alors, je vais montrer un album. Voilà, j'espère que ça se voit. Voilà. Non, ça c'est une plaisanterie, c'est pas ça que tu as repris. Je serais beaucoup plus riche. Tu serais beaucoup plus riche, mais tu as repris Spirou et Fantasio, ce qui est quand même pas mal, parce que voilà, on se souvient, les vieux de la vieille se souviennent de Robvel, de Jigé, de la grande époque de Franquin, puis il y a Tom et Jean-Ri, puis d'autres qui ont repris ça, Fournier, mais toi tu l'as repris, et d'après ce que je vois dans certains articles, tu as dû convaincre les éditions Dupuis de te confier Spirou et Fantasio, c'était pas évident au départ. Tu peux en dire un mot là-dessus? Oui, ça remonte à 2000, 2002, 2003, je crois, quelque chose comme ça. Les éditions Dupuis cherchaient des repreneurs pour la série. J'étais pressenti pour le scénario, mais ce qui a été très compliqué, ça a été de se mettre d'accord sur le dessinateur. Sachant qu'il y a, bon, c'est. Alors là, on sort vraiment de la crise du Covid, hein, on est dans des considérations qui me paraissent très, très 20e siècle. Mais la difficulté de l'époque n'était pas de survivre confiné dans sa maison, c'était d'être dans la lignée d'une tradition, celle de la BD franco-belge, sans décevoir les gardiens du temple qui ont aimé Franquin, qui ont aimé Tom et Jean-Ri, etc. Et en même temps, d'essayer de gagner un nouveau public qui est celui des enfants, qui ne sait même plus que Spirou existe. Donc, à cette époque, la difficulté, elle a été là, et il a fallu pas mal d'années et une première tentative avec Johan, qui était le dessinateur avec qui je voulais vraiment le faire, pour faire finalement ce qu'on a appelé un one shot, c'est-à-dire un album en une seule fois, qui s'appelait Les Géants Pétrifiés, pendant que d'autres repreneurs tentaient leur chance, c'était Morvan et Mignera. Puis quand Morvan et Mignera ont fini par jeter l'éponge, Dupuis est revenu vers nous, donc il y a eu quelques soubresauts. On est lancé sur la reprise et en ce moment on tente encore autre chose parce qu'on a toujours pas complètement réussi à regagner ce public des enfants. Et donc on a tenté une nouvelle approche qui est Super Groom, qui est la version super-héroïque de Spirou, et qui se veut non pas une parodie de super-héros, parce qu'on n'est pas dans Super Dupont, on est assez sérieux dans le sens où on s'amuse avec Johan à faire à se faire plaisir avec du comics, mais un comics métissé avec le franco-belge, donc sans doute beaucoup plus ironique sur la notion de super-héros, et en particulier l'idée de toute-puissance qui va avec, et entre autres. On met en scène un Spirou qui est écolo au dernier degré, qui est décroissant,
qui ne veut plus parcourir la planète en avion parce qu'il voit bien que ça pollue, ce qui semble être l'antithèse des aventures de Spirou, hein, parce que Spirou, il part toujours dans l'avion, n'importe où sur le globe. Sauf qu'il est rattrapé par un vieux canular qu'il avait fait par le passé, où il s'était fait passer pour un super-héros, et il est rattrapé par son destin. Donc on a une espèce de héros schizophrène qui fait tout pour cultiver tranquillement son jardin et faire de la permaculture, mais qui devient presque malgré lui un super-héros avec des pouvoirs délirants. Donc ça c'est l'actualité principale, mais je crois que la page que tu voulais qu'on évoque, elle date plutôt de la rentrée classique. Donc il s'agit d'un extrait de La face cachée du Z. Voilà, les deux savants là, chez Spirou. Oui, on a le savant sympathique, le comte de Champignac, et puis on a le savant fou qui est Zorglub. Oui. En fait, oui, quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'on pourrait montrer de Spirou, j'ai pensé à cette page parce qu'elle, dans cet épisode, en fait, on comprend que Zorglub a fabriqué une base sur la face cachée de la Lune. Et on croit au début que c'est pour d'incroyables plans, éventuellement machiavéliques, ou alors liés au progrès, parce que Zorglub a toujours eu cette ambiguïté d'être une sorte de savant fou, mais qui veut le bien de l'humanité. Il veut le bien des gens malgré eux, mais il le fait quand même pour le bien des gens. Sauf qu'ici, on se rend compte que, pour le coup, la face cachée de son projet, c'est que pour avoir de l'argent, il a été obligé d'abord de chercher des investissements du côté du tourisme de luxe. Et donc, il a fabriqué un parc d'attractions géant pour richissimes milliardaires capables de se payer le voyage là-bas. Et donc, on se retrouve avec un Champignac assez ironique qui dit à Zorglub, donc c'est ça, en fait, vos grands projets. Finalement, vous avez fait une station de ski sur la Lune. Ce qui, bien entendu, humilie encore un petit peu plus le pauvre Zorglub. Mais c'était un peu une manière de montrer, outre le petit clin d'œil à la fin de la page où Spirou rappelle à Zorglub qu'avant de penser exploration spatiale, il faudrait peut-être déjà préserver la planète sur laquelle on vit, ce qui reste malheureusement cruellement d'actualité. Je voulais montrer à quel point il était difficile pour la science et voir la notion de progrès de s'abstraire de tout ce qui va avec, à savoir, oui, un progrès, d'accord, mais pourquoi, pour qui, qui met l'argent, qui en a les bénéfices. Donc c'était un des sujets que j'avais envie qu'on aborde ici avec Johan. La concentration de la richesse, ouais. Exactement, le fameux 1% qui ici va sur la Lune pour s'amuser, en fait. Voilà. Et on va passer maintenant à la bande dessinée pour laquelle tu es sans doute le plus connu. Mais avant, et pour introduire la question, je vais te demander si ceci te dit quelque chose. Il faut le mettre dans l'autre sens. Ah, pardon, excuse-moi, voilà. Alors ça doit être L'école emportée, la traduction française. Voilà. Et, écoute, on m'en a parlé quand j'ai lancé Seul, vers le tome 3 ou 4. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu connais ce Oui, manga? voilà, ouais, c'est la même question. Et donc je l'ai découvert après coup. Oui, il y a des thématiques communes. Alors de ce que j'en ai compris, parce que je ne connaissais pas le livre, si j'ai bien compris, c'est une école qui change de dimension, avec tous ces enfants étudiants. Je crois qu'il y a plus d'adultes avec eux. Il me semble que les adultes meurent. Meurt petit à petit, Et je crois me rappeler aussi, parce que j'en ai lu que des extrêmes, et que le ton est quand même extrêmement dur, sans Ah doute un peu plus dur que ne l'est la série Seul. oui, tout à fait. C'est considéré comme du manga d'horreur, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'ils sont dans un monde qui est vraiment affreux. On est presque plus proche de Stephen King et The Mist, ce genre de choses, là encore, de ce que j'ai pu comprendre. Alors que le point commun, il est clair, hein, c'est une envie de confronter des enfants à des situations très dures. Je pense que la source commune de ce genre de bouquin, alors faudrait vérifier par rapport au mangaka qui avait fait ça, mais c'est peut-être une littérature comme celle qui, moi, m'a inspiré, je pense en particulier à Sa Majesté des Mouches, de Golding, qui a été une sorte de trauma positif quand j'étais enfant, qui, pour la première fois, me montrait, en tout cas à mes yeux d'enfant, me montrer que j'avais pas entièrement tort quand je pensais qu'il y avait autant de perversion et de cruauté chez les enfants que chez les adultes. Parce que dans Sa Majesté des Mouches, il est question d'une classe d'enfants, que des garçons, qui s'échouent sur une île déserte, les adultes sont morts, qui recréent une société ex nihilo, mais avec tout autant d'injustice et de hiérarchie sociale et de justement de mauvais partage des richesses que la société d'avant. Ça se termine très très mal. Il y a des enfants qui meurent, il y en a un qui devient Bien fou. sûr. Et de lire ça quand j'étais enfant m'avait fait du bien, paradoxalement.
parce que j'ai dit, ah oui, donc en fait, j'ai pas complètement tort de penser que l'enfance n'est pas un paradis. Parfois, cela est représenté dans certaines séries pour enfants, justement, séries jeunesse, que je trouvais du coup un peu faux cul, en fait. Donc, le parti pris qu'on a eu avec Bruno Gazzotti, le dessinateur de Seul, c'était, on va montrer cette part sombre de l'enfance. Par contre, on va essayer de faire en sorte que ça soit vraiment que ça s'adresse aux enfants. Parce que je peux tout à fait faire un bouquin, je pense à un que j'ai fait avec le couple qui s'appelle Les Kerasquet, une BD qui s'appelle Jolies Ténèbres. On y parle de l'enfance, mais on s'adresse aux adultes. C'est-à-dire qu'on peu comme Sa Majesté des Mouches, à mon avis, à l'époque de la parution du livre. C'est-à-dire qu'on peut aller très très loin dans la cruauté, comme dans le cas de L'École emportée. Dans le cas de Seul, on a toujours en tête que les lecteurs, aussi surprenant que ça puisse paraître à certains bibliothécaires ou à certains parents, ça s'adresse vraiment aux enfants dès 10 ans. Alors même qu'il y a des passages assez violents, qu'il y a parfois du sang, qu'il y a des enfants qui meurent aussi, mais le ton général et le degré de cruauté qu'on évoque est quand même adapté à un public d'enfants. Qu'on voulait par contre avec Bruno, c'est vraiment se dire que les enfants ont besoin tout autant que les adultes, comme n'importe quel être humain, qu'on s'adresse à son cerveau, qu'on lui parle de ses angoisses, qu'on lui parle de ce dont d'habitude on ne parle pas forcément beaucoup des enfants. Ici, clairement, c'est le thème de la mort, de la disparition de ses proches, de l'abandon, qui sont abordés rapidement, puisque le pitch de départ, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, c'est que un matin, tous les adultes, voire même la majorité des enfants, ont disparu dans une ville, sauf cinq personnages, cinq héros, qui vont petit à petit se rendre compte qu'il y a d'autres enfants, mais qui sont quand même très peu nombreux. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est un fantasme de Robinsonnade ou de fin du monde à laquelle on aspire un petit peu. Quand on ne réfléchit pas vraiment très longtemps à ce que sera la fin du monde, parce que c'est le même fantasme que ce qu'on peut avoir quand on regarde Je suis une légende, par exemple, ce film malheureusement repris par Will Smith, pas forcément si bien que ça d'ailleurs, mais il y avait une première version qui s'appelait The Omega Man ou Le Survivant qui était très très bien. Tous ces films sont un appel à l'aventure. Bien sûr que quelque part, il y a une partie de nous qui voudrait voir de la végétation pousser dans New York. L'image est très très belle. C'est ce que j'appelle une Robinsonnade urbaine. C'est-à-dire qu'il y a le côté je suis tout seul et personne ne m'emmerde. J'ai pas le carcan social très pesant de la vie de tous les jours. Mais j'ai cette espèce de rapport à la nature fantasmée qui serait celui d'une ville déserte où la nature aurait repris ses droits. Ce qu'on voit un peu d'ailleurs actuellement à toute petite échelle avec trois canetons sur la place de la Concorde ou un sanglier par-ci par-là. Mais en essayant de montrer, dans le cas de Seul, que derrière ce fantasme de Robinsonnade, il y a un prix à payer. Et que ce prix peut être très très lourd. Et le fond de ce que raconte Seul, c'est cet équilibre fragile entre en fait de qu'est-ce que c'est devenir un adulte. Et être adulte, c'est un mélange d'excitation parce que je peux enfin prendre ma vie en main et on ne m'impose plus d'aller à l'école, on ne m'impose plus ce que je vais manger ce soir, mes parents, ceci, cela. Mais j'en paye le prix puisque si j'ai un problème, personne ne viendra à mon secours. Donc c'est effrayant. Et le sujet de Seul, c'est ça, c'est que ce soit aussi effrayant que c'est excitant, et toujours sur la corde raide, hein, selon les albums, et c'est un récit d'initiation pour dire que à des enfants, voilà, pour devenir des adultes, c'est pas une question d'âge, c'est pas juste avoir 18 ans, c'est pour devenir des adultes, il faut accepter cette ambivalence que la liberté, l'autonomie aura un coût, et que ce coût sera parfois très élevé, et il faut se préparer, et on essaie de préparer les enfants le plus doucement possible. J'aime bien comparer la littérature jeunesse quand elle est réussie. Vaccin, un de ces vaccins qu'on attend actuellement avec impatience, à savoir un remède qui contient une petite partie du mal. Logiquement, ce qui est censé faire un vaccin, c'est qu'on nous injecte une petite partie du virus et le corps va apprendre à se défendre. Dans la littérature jeunesse bien réussie, c'est ce qu'on essaie de faire avec Bruno, il faut aborder les sujets qui fâchent, il faut parler de la mort, il faut parler de la souffrance. Mais il faut faire d'une manière qui soit atténuée, de manière à ce que l'enfant s'y habitue et puisse apprivoiser ses peurs. Et c'est vraiment très exactement le but qu'on s'est fixé sur Seul. Moi, je me souviens, un gosse, j'adorais les livres, Le Club des Cinq, où il y avait jamais un adulte et où les enfants résolvaient tout d'eux-mêmes. Bien sûr. C'est le rêve qu'on a quand on a 10, 11 ans, c'est d'un monde où, voilà, on pourra enfin prendre les choses en main. Mais on va regarder la planche que tu avais retenue. Ça se passe dans un centre commercial.
Alors pourquoi? Je sais, il y a deux bandes qui se partagent l'espace, mais explique-nous exactement ce qui se passe à ce moment-là. Oui, alors c'est un extrait de l'album 6 qui s'appelle La quatrième dimension et demie, parce qu'on réalise en cours de saga qu'ils sont une espèce d'autre dimension, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Et il se trouve qu'effectivement, ils sont confrontés à une autre bande d'enfants. Et par une succession d'événements, le leader du clan opposé, qui s'appelle Saul, propose, mais c'est une sorte de piège, il propose un jeu, ce qui semble être un jeu dans la ville où ils sont, c'est de dire, bon, bah, le premier qui met sa marque sur un bâtiment, il a gagné le bâtiment. Donc c'est une espèce de monopoly, en fait, à l'échelle d'une ville. Et il se trouve que je déteste le monopoly, mais à un point viscéral, déjà parce que j'ai jamais aimé y jouer, à chaque fois que j'y ai joué avec des gens de ma famille, on s'est engueulé. Mais à la fois parce que le principe de ce jeu est absolument affreux, c'est quand même avoir le plus gros monopole possible en écrasant les autres. D'ailleurs, au départ, j'ai cru comprendre que c'était un jeu pédagogique pour montrer les méfaits des monopoles. Il paraît que c'était ça au départ, ouais. Et ça a été repris et transformé en mode très positif. Et ce que je voulais montrer, c'est que ce qui part d'une espèce de jeu, du style, bah non, regarde, les règles sont les mêmes pour tout le monde, c'est équitable, chacun marque le premier bâtiment qu'il trouve et finalement ce bâtiment lui appartient, se transforme en piège parce que pour peu qu'un des clans soit un tout petit peu plus préparé que l'autre, et ben le jeu dérive en quelque chose qui devient les plus rapides, les plus forts l'auront emporté. Comme on a commencé à accepter les règles du jeu au début, ce qui est le cas du groupe des enfants, des héros, on est piégé parce qu'on est piégé par la parole qu'on a donnée. Donc finalement, on se retrouve prisonnier du fait qu'on a cru à une parole qui nous a été donnée, qu'on a cru qu'elle serait équitable, on réalise qu'elle ne l'est pas. Et entre-temps, on nous rappelle à la promesse qui a été faite. Et c'est ce genre de jeu, là, que je présente de manière très, très métaphorique et très basique avec un simple jeu, me semble dire beaucoup de plein de contrats sociaux qui sont passés, où on se rend compte quelque part qu'on nous rappelle quelque chose de l'ordre d'un contrat qu'on aurait passé tacitement avec le gouvernement, avec, je ne sais pas, l'ensemble des multinationales, qui laisserait entendre qu'on a accepté les choses. Si on a accepté, maintenant, il faut respecter les règles. Là où je prône le fait, non pas d'être constamment dans une insurrection, ni dans une désobéissance civile systématique, mais dans une remise en question, la plus lucide possible, le plus constamment possible, en étant toujours prêt à changer d'avis en cours de route. Je ne parle pas d'être girouette, hein, mais d'être prêt à changer quand même le cours des choses si on se rend compte qu'il vaut mieux telle solution plutôt que telle autre. Et j'aimerais en faire appel au sens critique des enfants, essayer de les alarmer un peu sur le fait que c'est. Le diable se loge dans les détails. À présent, Saul est quelqu'un qui est un enfant qui est dangereux, qui est intelligent, qui est charismatique, mais qui est dangereux. Là, j'ai une petite anecdote sur ce personnage parce que ça avait été quand même une belle leçon pour moi. Au début de la série, là, on en est au tome 12, le tome 12 qui va sortir si tout se passe bien en juin. À l'époque du tome 3, je voulais savoir un peu comment les enfants percevaient les différents héros, en particulier leur couleur de peau. Est-ce que c'était important qu'ils soient noirs, d'origine maghrébine, blancs, que sais-je? Mais les retrouver dans une école de la Goutte d'Or pour une intervention. Et on avait fait un petit vote pour savoir quels étaient les personnages que préféraient les enfants. Et je m'étais rendu compte que les deux personnages préférés de l'ensemble de la classe, où soit dit en passant, il n'y avait pas un seul blanc, hein, c'était des Asiates, des Maghrébins, des Noirs. Leurs deux personnages préférés, c'était Dodgy, qui est un peu le héros de la série, qui est noir, et Saul, qui est blanc et qui est un peu le petit fasciste de service. J'étais un peu surpris par ce double choix et j'avais demandé aux enfants, mais pourquoi ces deux-là? Et ils avaient dit, bah, parce que c'est des chefs. Et il y avait même un petit bémol du côté du héros de Dodgy, parce que oui, c'était un chef, mais des fois il hésitait. Et donc il avait un peu moins de votes que Saul, qui n'hésitait pas, qui était très sûr de lui, qui était en plus assez charismatique. Et j'y ai trouvé une leçon un peu flippante, hein, c'est de se dire que bon, une leçon positive, c'est que on n'a pas d'empathie pour un personnage parce qu'il a la même couleur que nous. C'est un argument que j'ai parfois entendu, mais qui ne marche pas du tout. Il y a des gamins asiatiques qui adoraient Doji alors qu'il est noir. C'est pas la question. Il y avait des gamins noirs de cette classe qui adoraient Saul, qui est blanc. Et qui est plutôt raciste, hein, c'est pas très perceptible et pas très clair, mais quand on lit entre les lignes, il est quand même assez raciste. Et qui voit un chef qui ne doute pas. Et en fait, c'est ce que veut l'être humain, je ne parlerai pas que des enfants, mais ce que veut l'être humain, c'est un chef qui le rassure. Et malheureusement, on risque encore de se retrouver confronté à ça, et alors, à mon avis, puissance 1000 à l'issue du confinement. Moi, je vais t'avouer que mon personnage préféré, c'est la fille intello, là. Tu vas me dire son nom. Camille. Comment? C'est Camille. Camille, exactement, voilà.
Chacun se révèle dans les personnages qu'il aime bien. Tout à fait, tout à fait. Elle est super, Camille. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Elle est très ambiguë en plus. Donc, forcément, j'aime bien les personnages ambivalents. Ouais. Oui, c'est un thème. Bon, on parle beaucoup du enfin, on évoque beaucoup le consumérisme dans un monde justement où il n'y a plus, où il y a plus rien, il n'y a plus que des choses à récolter, voilà, dans un environnement qui est abandonné. Mais c'est aussi un thème survivaliste aussi, ce qui nous ramène au départ, à l'effondrement. Parce qu'on comprend, je crois que c'était au sixième tome à peu près qu'on comprend que les enfants sont morts, en fait, ici. S'ils sont là, Exactement. c'est parce qu'ils sont morts. Je crois qu'on apprend beaucoup de choses, hein, à lire tes livres, on apprend beaucoup de choses. Justement, tu as juste rebondir là-dessus parce que Vas-y. c'est intéressant de constater. Donc, moi, je précise que justement, le survivalisme et le mouvement des collapsos n'est pas tout à fait similaire. Il peut y avoir des frontières communes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en particulier, c'est des thématiques, on le voit quand on lit mes bouquins, qui sont très présentes dans ce que j'écris, cette notion, bon, autour de la mort, mais aussi du survivalisme. Ce qui est intéressant de constater dans les années qui se sont écoulées, c'est que le survivalisme qui, à mon sens, c'est quand même une manifestation d'individualisme forcené. Hein. C'est quand même une manière de dire, moi, je vais survivre tout seul, par mes propres moyens, contre les autres. En tout cas, ça a été ça longtemps. Là où le mouvement dit collapso prône beaucoup plus l'entraide, on voit maintenant apparaître des sas entre les deux, et je vois de plus en plus de survivalistes sur des sites commencer à dire, bon, pensez effectivement à vous et préparez-vous. Ce en quoi je les rejoins, je pense qu'il vaut mieux se préparer et que plus on se prépare en amont, plus il y a de chances qu'on arrive à être résilient, ça c'est sûr. Mais par contre, ces survivalistes commencent à évoquer l'entraide, la coopération et le fait qu'on a besoin des autres. Ce qui est une vraie différence. Et pour le coup, moi je serais plutôt collapso, un peu teinté de survivalisme mou, parce que je ne le pratique pas, hein, je ne suis pas un vrai survivaliste. Mais je suis plutôt du côté de cette idée de coopération et d'entraide. Tout en voyant qu'il y a quelques aspects intéressants dans la préparation des survivalistes. Là où, par contre, on a été tous un peu pris de court, et c'est ça qui est intéressant dans la réalité, c'est toujours ce qui est la leçon d'humilité du réel, c'est qu'une bonne partie de cette entraide, de cette coopération, était basée sur cette idée du vivre ensemble et de la communication physique avec. Et le Covid est venu couper ça. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé quelque chose qui a sapé une partie hyper importante de ce qu'était logiquement le plan de survie et d'entraide de la plupart des gens qui avaient pensé à un début d'effondrement. Et c'est là qu'on voit que c'est compliqué, qu'il faut toujours revoir sa copie, qu'il faut toujours réagir, et essayer maintenant de voir comment on va continuer à garder de l'entraide quand on doit garder une distanciation sociale, quand on ne peut plus toucher les gens, quand on ne peut pas faire un concert. Ça, d'un seul coup, ça montre bien qu'on a beau avoir réfléchi pendant des années à quelque chose, quand la réalité arrive, c'est encore autrement. Donc, le gros enjeu actuellement, il est là, c'est comment retomber sur nos pattes et utiliser ce que plein de penseurs hyper intéressants sur quoi ils ont réfléchi pour l'entraide, pour la manière de collaborer, pour essayer de tirer le mieux possible d'une société qui va être impactée, qui là par le Covid, mais qui va l'être encore par la suite, sans doute par une crise financière majeure que tu évoqueras sans doute beaucoup mieux que moi. Plus d'autres crises qui n'ont pas de raison de s'arrêter parce qu'il y a eu le Covid, je pense à une possible canicule ou que sais-je en fait. Voilà, ouais. Aucun effet domino qui fait que, pour plein de raisons statistiques, un malheur n'arrive jamais seul, comme on dit. Comment tenir compte de cette singularité de l'enchaînement, tel qu'on pourra dire par la suite, c'est arrivé dans cet ordre-là, et quand même garder une forme de résilience qui est, pour le dire avec une image qui est un peu. Elle n'est pas galvaudée, mais elle est beaucoup employée, c'est celle du roseau. Okay, on va s'oublier, on va en prendre plein la gueule. Mais le roseau, quand même, il résiste, il bouge un peu avec le vent, mais il résiste. Pour moi, l'enjeu actuellement, il est là. Comment on peut préparer soi et préparer les gens et les lecteurs, à ma toute petite échelle d'auteur, il y a une micro-responsabilité, mais elle est là. C'est comment préparer les gens à ce qui va se passer à travers du récit, et s'il y a peut-être un enjeu pour les auteurs et les écrivains. Il est à mon avis là, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à une nouvelle mythologie commune qui puisse réunir les gens au lieu de les fragmenter. Et c'est mon but actuel, c'est mon espoir, mais c'est ma grande crainte inversement, c'est qu'on aille vers une fragmentation qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas facile à freiner, parce qu'actuellement, en particulier avec le médium d'Internet, qui est génial, hein, qui est un médium que j'adore. Mais qu'un médium dont les algorithmes font qu'il y a une sorte de prime au clash, une prime à l'excès et à la radicalité, c'est de plus en plus difficile de sortir d'un quant à soi
Ben par exemple, enfin, sans vouloir dauber sur ce qu'on est en train de faire, j'espère qu'on n'est pas en train de ne prêcher qu'à des convertis. Parce que les gens qui vont t'écouter seront des gens qui aiment déjà ce que tu fais, que les gens qui vont s'intéresser à mon travail sont peut-être des gens qui connaissent mon travail. Comment arriver à refaire quelque chose de commun dans la situation qui va venir et de le faire aussi avec du low-tech parce que bon, actuellement, Internet fonctionne encore très bien, tant mieux. Mais il y a peut-être des moments où ce niveau de technologie sera plus d'actualité. Et là encore, ce qui va être compliqué à. Je suis désolé, hein, je pars dans tous mes trucs à la fois. Vas-y, Ce vas-y, qui on va est là pour ça, ouais. être compliqué à imaginer, c'est que justement, je ne crois pas à une bascule immédiate et soudaine vers, par exemple, la barbarie et plus aucune technologie. Donc, mais par contre, il peut se passer que certaines technologies, d'un seul coup, s'effondrent et que d'autres prennent le devant. Ce qu'on voit actuellement, par exemple, avec le Covid, c'est hyper intéressant pour ça. D'un côté, il y a quelque chose de l'ordre presque justement d'une sorte de fantasme écolo, du style tout s'arrête, il n'y a plus d'avions, c'est merveilleux, les animaux reviennent, bon, etc. On sait bien que c'est pas aussi merveilleux, hein, mais je le dis à la louche. Et au même moment, il y a une espèce de poussée de l'Internet qui, à mon avis, va être compliquée à freiner. Je pense par exemple aux plateformes comme Netflix ou Disney. Qui sont en train de changer peut-être de manière irrémédiable le rapport au cinéma, à la culture. Donc on va avec d'un côté, bah le pire, c'est un grand mot, mais une exacerbation d'un aspect du numérique qui est quand même chacun chez soi, et de l'autre, une notion peut-être de retour à une industrie plus robuste, dont on sera plus capable de la faire chez nous en France, chez nous en Belgique ou que sais-je, avec toute l'ambiguïté du chez nous. Des problèmes écolos qui vont se poser sur cette industrie si on la rapatrie chez nous. Je reviens tout petit peu sur le dernier atlas. La première image de ce livre qui m'était venue en tête, c'était un de ces robots géants qu'on a amené en Inde pour le démanteler, parce qu'on voulait surtout pas le démanteler en France, parce que c'est trop dangereux à cause de son réacteur nucléaire. Cette notion du fait d'envoyer la pollution ailleurs, en Inde, en Chine, là, en Afrique, il va falloir se la coltiner si on produit en France. Bien sûr, Si on a un accident Seveso en France, ça a beaucoup plus d'impact qu'un accident au Bangladesh. Et alors, moi, je pense qu'il y a un côté positif à ça, c'est que on va se rendre compte qu'il y a un coût écologique aussi à ce qu'on fait. L'inconvénient, c'est qu'il risque d'y avoir d'autres problèmes énormes qui vont se poser. Bon, bref, je suis désolé, là encore, je pars dans un millier de pistes possibles. On va peut-être conclure, je te propose de conclure par une sorte de petit hommage, parce que j'avais commencé par dire, te présenter en disant que tu étais le Jean-Michel Charlier des temps modernes. Alors je voudrais quand même que tu dises un petit mot. Moi, il y a, voilà, Spirou, le journal de Tintin, ça, c'est ça qui m'a formé quand j'avais 6-7 ans, etc. Des gens dont on oublie les noms, comme Dineur, Jean Doisy, Maurice Tillieu, en tant que scénariste. À qui est-ce que je pensais encore? Est-ce que tu peux dire un petit mot voilà, sur les gens qui t'ont précédé chez Dupuis, parce qu'il y a des noms extraordinaires. Moi, je pense à Xavier Snook, ça te dit quelque chose? Ah non, je ne le Non, connais pas, je Snook. crois pas. Eh bien, il faisait beaucoup de récits, des récits qui étaient juste illustrés par un petit dessin. Et je me souviens, il y en avait particulier, il y avait une histoire qu'il racontait, qui est avec quelques dessins de Maurice qui faisait Ah sur la oui. page, mais c'était essentiellement des récits. Et j'ai un souvenir émerveillé de ces récits. C'est lui aussi qui avait lancé la série qui avait fait les scénarios des Timours au départ. D'accord. Oui, ça, je vois très bien. Et puis, il faisait une carrière en parallèle en écrivant des livres pour Fleuve Noir sous un autre nom. C'est un auteur, mais passionnant comme un. Voilà. C'était un auteur justement qui écrivait dans le style un peu d'Enid Blyton, d'histoire où il n'y a que des enfants et qui arrive à faire plein de choses. Je te le recommande si tu retombes là-dessus. Carrément. Alors, Fabien, merci beaucoup. Voilà, on Pas a de passé un petit souci. moment ensemble et c'est la première fois qu'on parle de BD et j'espère que ce n'est pas la dernière fois dans le cadre de PJ TV. Merci d'être venu. Un grand merci à toi. À bientôt.